Donc, bienvenue à tous pour cette session de mise à jour sur la mécanique des structures. Mon nom est Joël Grenu, je suis responsable de l'équipe d'ingénieurs de la Suisse romande et je suis en même temps le multiphysicien de service chez CATFEM pour tout ce qui est structure, mais pas seulement aussi CFD, électromagnétisme, système et optimisation robuste. Sachant que moi, je vais me concentrer sur la partie structure aujourd'hui. On a eu déjà les mises à jour électromagnétisme lundi, CFD hier. Donc là, on est au terme de la séquence, la suite d'événements de mise à jour pour la version 2021 R1. Peut-être aussi quelques mots sur CATFEM. Nous, on est le représentant des solutions ANSYS. On va plus loin que juste le logiciel ANSYS. Vous nous connaissez bien sûrement de ce point de vue-là, hein, que ce soit par l'interaction, par le support, la hotline, mais si vous avez aussi des difficultés à mettre en œuvre un processus de simulation novateur, ou par exemple, à la suite de cette présentation, j'espère que vous aurez deux, trois idées de choses à démarrer, des choses nouvelles. On est là pour vous assister, pour vous aider, que ce soit par des formations privées, des formations inter-entreprises ou aussi du mandat de calcul pour créer un nouveau workflow de simulation et vous expliquer comment l'utiliser. Donc, n'hésitez pas avec vos questions à la fin ou à recontacter après cette présentation pour discuter d'applications éventuelles ciblées à vos attentes. Voilà, donc première chose qui est aussi importante, hein, vous allez démarrer ici avec la licence ou l'installation du logiciel 2021 R1. Vous allez constater qu'au niveau des licences, il y a eu quelques changements. Donc, on passe sur ce qu'on appelle le ANSYS Common Licensing. C'est une sorte de simplification des agréments de licence. Et vous allez voir qu'avec le management des licences du parti client, ici, l'interface a légèrement changé. Donc, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est légèrement simplifié. Donc, pour vous y retrouver, ici, vous avez cette vue. Vous voyez la définition du serveur de licence. Donc, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. La configuration va reprendre votre ancienne configuration et reconnecter à votre même serveur. Donc, ça, c'est facile. Au niveau de l'IT, il faut savoir qu'on a des nouveaux services qui tournent pour la 2021 R1, c'est ANSYS-client.exe, qui vont utiliser des ports dynamiques. Donc, vous avez besoin de moins de spécifications que dans le passé. Le 1055 est un port variable, sachant qu'il existe toujours ces process qui vont tourner sur Windows pour satisfaire la compatibilité, l'intercompatibilité avec les anciennes versions 2021-2 et inférieures. Donc, pour le moment, il y a un peu plus de monde ici qui va tourner en background. Si votre IT se pose la question, vous avez ici de quoi leur répondre. Et sachant aussi que pour chaque nouvelle instance du logiciel démarré, vous aurez un nouveau ANSYS-client.exe qui va démarrer sur votre PC. Ça, c'est une chose. Pour vous, utilisateurs, ce qui compte le plus, c'est vraiment cette fenêtre-là. Comment trouver, par exemple, qui utilise quelle licence dans l'entreprise, lesquelles sont disponibles? C'est quelque chose qui est légèrement plus caché, en fait, dans cette interface. Ça va évoluer encore, mais c'est une première version. Gather Diagnostics, là, vous avez en fait un affichage de fichiers texte qui contient, entre autres, la liste des licences disponibles et utilisées. Donc ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Et les préférences de l'utilisateur, c'est ici que vous les retrouvez pour savoir quelle licence vous allez réserver, enfin quelles licences vous allez sélectionner pour vos analyses. Voilà, peut-être une première approche dans l'interface. Donc, si vous voulez trouver les nouveautés que je suis en train d'évoquer, mais il y en a d'autres, je ne vais pas tout dire malheureusement, il n'y a pas le temps. Vous retrouvez ici les highlights de ce qui est nouveau, donc dans cet onglet ou alors dans File à cet endroit-là. Donc, ce n'est plus quelque chose qui va arriver en pop-up comme juste les versions précédentes, mais vous pouvez les afficher ici en cliquant sur What's New et vous retrouvez ici
les gestions des options, du licensing, etc. Donc, sur What's New, vous allez avoir finalement un résumé de ces nouveautés. Donc, en partie, ce que je vais présenter. Ici, un lien que j'aime bien, c'est le Technology Showcase. Donc, c'est des exemples déjà résolus avec Mechanical et la liste des autres nouveautés. Donc, c'est nouveau une sélection hein, qui est présentée là. Donc, voilà, c'est pour vous y retrouver après la présentation. Vous pouvez déjà directement. Moi, je vais commencer maintenant par les matériaux. La gestion des engineering data, là, il y a eu pas mal de nouveautés. Si on va regarder ici dans cet onglet Materials, on peut finalement, ben, comme d'habitude, ajouter ce Material Assignment et voir que déjà la fenêtre de détail qui apparaît se retrouve pas en bas à gauche de la colonne de gauche, mais vraiment dans une deuxième colonne pour laisser la place à des grands projets avec beaucoup d'éléments. Donc elle n'est plus là en bas, mais elle se trouve vraiment sur la droite ici. Donc, c'est un petit détail, mais voilà, c'est vraiment une réorganisation de la fenêtre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller naviguer à travers la base de données matériaux. On va découvrir en fait des outils inspirés de Granta, qui est la base de données plus complète de matériaux pour aller vraiment au-delà de la base de données standard de Mechanical. On va voir en fait ici cette base Granta en plus des listes des librairies matériaux par défaut. Là, vous pouvez créer la vôtre, des librairies spécifiques propres à votre entreprise ou utiliser les General Materials, enfin, ces librairies par défaut. Donc, si on regarde dans Granta, donc en fait, simplement, à quoi ça ressemble, hein, c'est une librairie beaucoup plus fournie, une interface séparée de Mechanical qui existe aussi pour Granta. Mais qui vous donne accès à beaucoup de matières et surtout à des filtres sur les matières. Donc, que ce soit Granta ou autre, vous allez pouvoir utiliser ces filtres-là. Vous voyez ici, si je prends tous les matériaux, j'en ai pas mal, 153, et je vais aller trier. Donc, admettons que j'aimerais faire une analyse, réaliser une analyse avec un certain type de matière. Donc, je vais me poser la question par où commencer? Quel matériau utiliser, créer un nouveau design, une nouvelle pièce qui peut répondre à mes attentes. Donc, si je démarre ici, on va voir hein, c'est les propriétés de comparaison de matière. Ça va être utile de pouvoir sélectionner dans cet ensemble de librairies matériaux quelle matière est la plus utile. Donc, directement dans l'interface, c'est plus intéressant que dans les slides. On va regarder ici, donc utiliser ce filtre qui me permet d'aller choisir le type de matière. Si je veux des élastomères, des céramiques, je vais prendre ici de l'aluminium, peut-être des aciers, hein, peut-être une série pour filtrer cette base de données. Là, j'en ai plus qu'une centaine. On peut encore aller rajouter des filtres. Je me dis, ah ben tiens, je vais peut-être prendre un modèle matériau qui, si je veux analyser de l'écrouissage, je vais prendre par exemple ici du multilinear isotropic hardening. Donc, que les matériaux qui contiennent ce genre de données, ce genre de courbes, 30 matériaux restants. Et je pourrais aussi, si nécessaire, on ne va pas le faire là, mais juste pour montrer la possibilité, regarder en fait des densités, une plage de variation pour les densités, etc. Donc, le yield stress pour une application donnée. Donc, vous donnez vraiment une fourchette. Donc, je ne vais pas le limiter maintenant. Donc, j'ai déjà cette liste de matériaux à disposition. Et ce qui est nouveau, c'est cette possibilité de comparer en fait. Donc, il y a une petite case qui apparaît à droite. Donc, si je la sélectionne, maintenant j'ai la possibilité d'ajouter d'autres matières dans cette sélection pour la comparaison. C'est comme le shopping en ligne, hein, c'est sélectionner des choses, comparer et vous prenez le meilleur.
Donc là, vous pouvez avoir vraiment cette comparaison gauche-droite des différents matériaux. Je vois que la liste de ce qui est disponible, en tout cas dans ces matériaux. Ici, on voit des courbes qui dépendent de la température. J'ai deux sets de courbes pour ce stainless steel 304 et les courbes de fatigue, en fait, caractérisation pour l'analyse à la fatigue. Et si je clique dessus, j'ai le détail de cette courbe qui apparaît avec les valeurs. Voilà, c'est pratique, parce que ça permet vraiment de naviguer sans faire ce saut, hein, retour avant-arrière entre sur la page projet Workbench. Hein, pour ça, c'est quand même sympa. Voilà, donc maintenant, bien sûr, l'étape suivante, ça va être de sélectionner une matière pour l'attribuer sur ma géométrie. Donc je la sélectionne. Prendre voilà, celui-là. Prendre le bon. Voilà, on va l'ajouter en fait dans notre projet. Donc je vois que mon aluminium alloy est sélectionné. Il me faut une géométrie. Je n'avais pas encore de géométrie dans cette analyse. Donc je vais la chercher depuis ici. Hein. Je montre au passage deux, trois autres façons de fonctionner. D'habitude, on la met d'abord dans Workbench. Là, je pars vraiment de mécanical pour charger la géométrie et attribuer des matières. Voilà, donc là vous voyez la géométrie qui se charge, ça prend un peu de temps. Voilà, vous voyez qu'elle est bien disponible dans Workbench si je reviens en arrière. Voilà, donc j'ai ma géométrie, je peux la sélectionner pour lui attribuer cette matière. Donc là, rien de très exceptionnel, mais c'est juste pour montrer ce nouveau workflow hein, de travail, simplement. Hein, Donc maintenant, si j'aimerais, excusez-moi, je vais sauter un passage. Je voulais faire de la comparaison de matière. Donc, disons que j'ai une matière sélectionnée. J'aimerais, c'est une chose sympathique pour les analyses paramétriques, rajouter un deuxième matériau et changer le type de matière avec un paramètre d'une analyse paramétrique. Donc, je vais aller chercher de nouveau, je refiltre mes matières, je cherche un autre matériau qui correspondrait à ce qui m'intéresse. Je regarde quand même ce qu'il y a dans ces propriétés avant d'aller de l'avant. Le modèle de nouveau d'écrouissage. Voilà, rajoute une deuxième matière dans le projet. Et quelles sont ici disponibles, les deux. Et simplement, l'idée, c'est de pouvoir sélectionner en fait le type de matériau comme paramètre. Vous voyez la case ici qui apparaît. C'est quelque chose qu'on devait faire avant en script APDL hein, pour changer qu'un chiffre qui variait de 1, 2, 3, 4, etc. C'est pas très intuitif, source d'erreur. Maintenant, j'ai vraiment dans le parameter set la liste des noms de matières à choix pour une étude paramétrique comme paramètre d'entrée. Vous voyez, je peux choisir ici la matière sous forme de paramètre avec un nom compréhensible. Donc, c'est assez pratique pour faire des analyses de pièces avec plusieurs matières. Voilà, une autre nouveauté sympathique, c'est le scripting dans Mechanical. Donc surtout l'enregistrement du script directement dans Mechanical, l'enregistrement d'un script Python pour la customisation, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que vous pouvez vraiment rajouter ça, débugger, rajouter des points d'arrêt. Vous avez les fonctions qui apparaissent avec le highlighting, avec la liste des fonctions disponibles. Donc on va voir ça tout de suite dans l'interface. On va appeler ici créer une nouvelle analyse. J'ai qu'un maillage pour le moment. Je rajoute une analyse, mon statique structurelle, c'est juste pour la démo. L'automation, on va enclencher notre scripting, notre page scripting.
qui permet en fait de suivre ce qui va se passer ici. Donc, je vais tout de suite commencer par enregistrer et créer deux, trois conditions limites sur cette pièce. On va sélectionner ici des faces, mettre un support. Pour ça, je vais utiliser la sélection par taille, toutes les surfaces de même taille, et ajouter un support fixe. Voilà, vous voyez que le script s'écrit au fur et à mesure. Chaque fois que j'ai une action, j'aurai l'équivalent script. Donc, je n'ai pas besoin de maîtriser Python pour faire ça. On va rajouter encore vite une force. Lui donner une valeur et le script se complète à droite. Donc ça c'est bon, je l'ai fait une fois. Maintenant, l'intérêt c'est de pouvoir réutiliser ce script. Donc je peux rajouter, bon, arrêter déjà l'enregistrement et puis rajouter ici des points d'arrêt du script pour l'évaluer étape par étape et le faire agir. Donc vous voyez ici, je m'arrête au premier point d'arrêt et j'avance étape par étape, step by step. Dans un raccourci F11 pour faire ça, tout est documenté. Et j'ai créé de nouveau un deuxième support fixe, une deuxième force, etc. Donc là, dans cet exemple, c'est juste pour montrer que le mécanisme, évidemment, j'aurais pu changer quelque chose dans mon script avant de le relancer pour faire un do loop, par exemple, sur plusieurs pièces, etc. Donc ça, c'est l'introduction dans le scripting. Vous voyez que maintenant, vous avez un grand modèle avec beaucoup d'opérations à réaliser et automatiser tout ça. On va passer dans d'autres améliorations au niveau plus général, donc toujours dans ce qui est paramétrique. Ici, on a cette possibilité de distribuer les analyses paramétriques. Avec le DCS, Distributed Compute Server, qui est en fait quelque chose d'externe à Workbench, qui permet de gérer en fait des grands nombres de points d'analyse paramétrique, que ce soit avec Workbench ou autre chose, d'Anvis en standalone. Donc ça permet de se découpler finalement de l'interface Workbench si nécessaire. Vous avez ici l'exemple de la fenêtre du Design Point Service. Le Workbench qui va itérer ensemble avec OptiSlang potentiellement. Vous voyez l'interface standalone, sachant qu'OptiSlang a été racheté par Anvis, c'est pour ça que ça apparaît maintenant vraiment comme entité à part entière du workflow Anvis. OptiSlang étant vraiment au centre des flows d'optimisation, des flows paramétriques, donc des processus de simulation paramétrique avec Anvis. Vous voyez ici le DCS intégré dans l'OptiSlang standalone, les études paramétriques, les résultats, le post-processing et du monitoring en live, donc en direct, possible avec ce genre de gestion. Ça permet aussi de gérer des design points qui partent sur plusieurs systèmes d'exploitation, Windows, Linux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ajoute de la robustesse et de la puissance dans ce genre de calcul distribué. Au niveau robustesse potentiellement de l'utilisation, on a cet outil, en fait, cet add-on hein, pour la gestion des précharges et surtout des analyses de vis selon VDI 2230. C'est une extension qui est développée par CAD-FEM en Suisse, d'ailleurs, Swiss Made. Donc on a ici en fait, ces différents outils qui sont disponibles. Donc voilà, c'est intégré dans le mécanical. Souvenez-vous-en si vous voulez analyser beaucoup de vis avec VDI 2230. Au niveau du traçage ici de circuit, ça peut être pour du fluide sans cesse. Typiquement, vous avez ici une pièce qui est soumise à un chargement en convection donc, extérieure, donc l'analyse thermique structurelle. Vous pouvez tracer en fait un circuit de convection. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'intérieur de corps creux. Vous aurez un échange thermique d'une face à l'autre.
qui est générée par un circuit de convection. Donc là, en fait, sans avoir besoin de faire de CFD, vous pouvez rajouter ce genre de circuit. C'était quelque chose qui était déjà disponible. La technologie fluide 116 n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que dans Mechanical, on a cet éditeur de ligne. Vous avez une petite interface de dessin, en fait, intégrée dans Mechanical qui vous permet de tracer ces lignes. On voit ici en opération. Vous pouvez prendre une arête, rajouter un offset, créer un corps linéique depuis cette arête, le compléter à la main, potentiellement même avec une image de pièce en background. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Rajouter cette ligne et créer votre corps linéique. Donc ça peut être à l'extérieur pour de la convection libre ici autour d'une pièce, convection forcée, ou alors à l'intérieur d'un circuit de refroidissement type. Pour la gestion de Solve en mode batch à distance, vous avez ce Remote Solve Manager qui maintenant permet de sélectionner quel fichier vous allez rapatrier de la machine distante pour simplement gérer le flux de données de manière plus optimale. Donc, vous avez certains fichiers légers, un fichier resté qui sera plus lourd. Vous avez le choix de ce que vous rapatriez. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous avez sorti des résultats paramétriques, vous allez peut-être éviter de prendre le resté. Enfin, à vous de voir ce que vous faites comme gestion au niveau de ce flot de calcul. Pour le solver lui-même, si on est sur le solver implicite, enfin, itératif PCG, de temps à autre, vous aurez des messages de non-convergence qui apparaissent. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Simplement, dans cette nouvelle version 2021 R1, vous avez un changement automatique au solver direct, Sparse Solver, pour essayer d'obtenir une convergence si le PCG n'y est pas parvenu. Donc ça, vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais ça va rendre potentiellement la convergence plus aisée. Et si vous êtes dans des analyses paramétriques, par exemple, ça peut vous sauver pas mal de design points. Au niveau des contacts, donc là, je pense surtout aussi à nos clients de l'horlogerie, utilisateurs de l'horlogerie. Vous avez en fait de l'amélioration qui a été amenée dans ces contacts ligne à surface. Vous avez ici maintenant cette projection mortard qui est utilisée, qui permet de mieux gérer ce genre de cas. Vous avez une ligne, un ressort fil par exemple, qui serait maillé de manière assez grossière par rapport à des éléments plus gros que ceux de la surface cible. Et vous allez pouvoir gérer ça de manière beaucoup plus propre qu'auparavant et aussi le end node de ces poutres en contact ici seront gérés de la manière aussi la plus propre qui soit. Vous voyez ici cette flexion en trois points. Ça peut être une caractérisation de matière hein, aussi de manière générale. Il n'y a pas besoin que ce soit de l'horlogerie. Vous avez ici un bundle avec plusieurs poutres qui sont repoussées. Donc, tous ces contacts ligne surface et ligne entre elles. Pour ces câbles. Ça peut être du câble aussi, du câblage électrique. Toujours au niveau des contacts, le modèle d'usure qui permet hein, de manger de la matière en fonction des cycles d'usure a été complété par ce non-linear adaptivity qui va en fait faire du morphing de maillage à l'intérieur de la pièce. Jusqu'à maintenant, c'était les nœuds de surface ici, de ces éléments-là qui étaient repoussés. Donc, il y a une limite claire qui est l'épaisseur du premier élément. Là, on peut aller plus loin simplement avec ce morphing de maillage en poussant vraiment vers l'intérieur de la pièce. Toujours au niveau des contacts pour la stabilisation, donc on a une nouvelle valeur par défaut, cette key option 15. Qui est mise à 3. Donc ça se passe derrière, vous n'avez pas besoin de le changer vous-même, mais ça veut simplement dire que vous aurez un amortissement enclenché par défaut, ce qui va vous sauver la vie quand vous avez en fait des pièces qui sont tenues que par des contacts. Là, on a vraiment deux poussoirs qui appuient sur ce ressort, qui est tenu uniquement par des zones de contact.
Ça va vous aider à stabiliser en fait la zone de contact. Attention toujours bien sûr à contrôler l'énergie de stabilisation qui est créée dans ces zones-là. Donc, vous pouvez le plotter au cours du temps, au cours des steps de l'analyse pour vérifier quand cette stabilisation est active et ce qu'elle fait exactement. Donc souvenez-vous-en, si vous importez un modèle d'une ancienne version, vous auriez potentiellement un comportement légèrement différent, en fait, dû à ce changement de défaut, de valeur par défaut dans le solver. Vous pouvez toujours le désactiver si nécessaire. Une autre chose assez pratique au niveau du traitement initial des contacts, Interface Treatment, qui est dans les détails de cette zone de contact. Jusqu'à maintenant, on avait ces trois options. Adjust to Touch, ça permettait de fermer le contact initialement. Donc, s'il y avait un espace entre deux pièces, le contact était collé. Enfin, les deux faces étaient rapprochées l'une de l'autre. Enfin, ce n'est pas physiquement rapproché, mais la gestion du contact faisait qu'on tenait compte de ce gap et on ferme ce gap. On pouvait ajouter un offset pour précontraindre ou fermer un gap avec une valeur fixe qu'on définit soi-même. Maintenant, simplement, on peut faire les deux en même temps. Lui dire de rapprocher les surfaces pour qu'elles soient en contact initial, ce qui simplifiera en général la convergence. Donc, vous voulez démarrer avec des contacts parfaitement collés. Ça facilite les choses. Et ce que vous pouvez faire, lui, il va faire ici un Adjust to Touch plus ajouter un offset que vous pouvez spécifier. Donc, vous pouvez corriger ces effets de placement géométrique des pièces, plus rajouter un offset si vous voulez avoir une pénétration initiale qui précontraint une pièce. Donc, avec ça, vous avez toutes les combinaisons possibles avec traitement de gap, fermeture de gap, ajout d'offset, contact, statut initial du contact ou ramping pour savoir si vous allez augmenter la force de réaction du contact de manière progressive ou pas. Sur l'import de données extérieures, on a un certain nombre d'améliorations. Donc là, c'est vraiment la communication avec le monde externe, hein, externe à Workbench, si on veut. Intégration finalement ici de ce trace mapping, c'est pour les PCB, hein, c'est vraiment tenir compte d'un matériau fortement orthotrope et anisotrope au niveau de la conductivité thermique. Si vous avez un PCB, vous imaginez des traces en cuivre qui sont imprimées sur la surface, donc ça va fortement changer la conductivité thermique du substrat en silicium du PCB. Donc là, vous allez interpoler ça. C'était déjà possible, simplement l'interpolation était bien améliorée, ce qui permet d'avoir en fait une conductivité orthotrope beaucoup plus précise, chacun des éléments. Toujours au niveau import, mais cette fois structurel, pardon. Les orientations de fibres par injection plastique, par exemple, chargées en fibres ou par injection plastique tout court, vous allez finalement mapper en fait ces propriétés orthotropes, anisotropes sur le maillage élément fini. Et simplement, chaque fois qu'on a un mapping qui est fait, il y aura une interpolation qui est faite sur le maillage avec ce nouvel algorithme quaternion. Vous avez quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, on revient dans la thermique, un port de convection sur une condition limite. On peut mapper ça maintenant sur les nœuds, corner nodes, donc c'est les nœuds des coins des éléments. Donc ça permet de mieux tenir compte des effets de bord, des détails. Ce sera légèrement plus précis que sur chaque élément, au centre de l'élément. Donc, vous voyez toujours ici ce genre de comment importer en fait des champs scalaires ou vectoriels d'un fichier externe, hein, des fichiers texte simplement. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps. Interpolé sur un modèle statique structure ici. Simplement, vous allez pouvoir déterminer en plus ce que vous faites du fichier qui a été utilisé pour l'import de ces données, soit le dupliquer, le copier dans l'arborescence du projet Workbench,
by copy ou by reference, ça veut dire que vous conservez le fichier source là où il se trouve. Donc ça devient vraiment important pour des gros fichiers, des grosses quantités de données, permet de gérer simplement des imports de fichiers plus gros. Vous allez choisir au moment de l'archivage si vous les importez à ce moment-là ou plus tard à ce moment-là dans le projet, c'est recommandé pour que tout suive, ou alors les laisser à l'extérieur avec une référence absolue vers une donnée externe. Avec le Material Designer, toujours, il faut obtenir des propriétés matériaux les plus précises possibles pour les simulations, garantir la qualité du résultat, ça c'est fondamental. C'est pour ça qu'on a des développements, pardon, sur ces process d'import de données. Et ici, pour le curve fitting, il y avait des façons de faire ça dans Engineering Data, dans Mechanical APDL. Simplement avec le Material Designer, donc c'est un bloc spécifique, vous allez pouvoir interpoler des données mesurées et en sortir des modèles matériaux utilisables directement dans Mechanical. Donc là, c'est une évolution qui est intéressante, qui permet de faciliter la vie simplement. Donc c'est pas mal de choses qui sont développées conjointement avec ce workflow de moulage avec des élastomères chargés en fibres. Quelque chose qui a été développé, entre parenthèses, en Suisse aussi. De nouveau, je fais un peu de pub Swiss made là. C'est par ce workflow-là, on a tous ces outils qui apparaissent et qui sont complétés. Les composites, toujours au niveau des matériaux exotiques, là vous voyez ce matériel, ce bloc Material Designer. Lui, il va vous recalculer finalement des matrices, des tenseurs finalement liés à ces propriétés matériaux orthotropes, anisotropes. Vous pouvez caractériser aussi avec l'affichage montre ici des petits cubes de matière différentes qui permettent de caractériser ça, les récupérer de Engineering Data et les utiliser, les consommer dans un bloc mechanical. Et ce que je disais, ce injection molding data, vous allez par exemple calculer une injection et en transférer ici le tenseur nécessaire au travail dans Mechanical pour tenir compte de ces orientations précises des fibres. Pour tout ce qui est élastomère, boîtier en élastomère, etc., vous aurez quelque chose qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus fidèle à la réalité. On voit ici le flow. Vous passez dans ce bloc, il va vous demander si vous voulez faire une transformation de système de coordonnées pour l'import des informations ici. Ça peut venir de Moldflow, Moldex, Sigmasoft, CADMULT, différents logiciels qui permettent de calculer cette injection elle-même, la physique de l'injection, et transférer l'orientation, les contraintes et la densité des fibres dans l'espace et dans ce maillage élément fini. On voit ici un flow typique, Material Designer, Injection Molding, dans du thermique structure, pour avoir finalement caractérisé cette pièce. C'est possible de les combiner ici avec Indice Composite Prépost, pour tout ce qui est analyse composite, fibres de carbone, fibres de verre, dans une matrice. On voit juste en tout petit l'interface CP avec la gestion de ces fibres, des critères de casse, de fissuration, etc. Dans ACP. Au niveau du maillage, on a des valeurs par défaut qui ont changé également. C'est un petit détail ici. On avait ici ce patch connection qui permettait de joindre des éléments, des corps surfaciques les uns avec les autres. On voit là le petit widget de surface perpendiculaire là, qui sont, c'est pas besoin qu'elles soient perpendiculaires, mais deux surfaces qui sont jointes d'une arête sur une face, qui permet d'avoir un maillage continu. Ces settings qui étaient au niveau global du maillage, vous les retrouvez dans 2021 R1 sous forme locale, avec l'import d'un mesh connect
qui permettent de cibler ça et d'orienter ça de manière, je dirais, chirurgicale, hein, pour créer des jointures là où c'est nécessaire uniquement. Donc, c'est les mêmes options organisées différemment. Vous voyez ici, vous pouvez map, enfin, sélectionner deux faces, dire qu'on a un maillage continu entre ces deux faces, des nœuds partagés, conformal, et pas de nœuds partagés ici, mais une gestion par un contact, par exemple, un contact ligne-surface. Vous pouvez jongler avec ça de manière beaucoup plus précise. Toujours au niveau du maillage, vous pouvez décider de geler le maillage d'un corps. Avec ce clic droit Freeze Mesh, Unfreeze Mesh. Donc, l'intérêt ici, c'est de pouvoir gagner du temps. Par exemple, pour une analyse paramétrique, vous savez qu'on a un corps qui ne va pas avoir besoin d'être remaillé à chaque itération. Vous allez finalement recréer le maillage que sur les pièces dont le maillage peut varier. Et typiquement, la géométrie va aussi changer. Ça vous permet de gagner du temps de maillage. C'est vraiment aussi quelque chose qui est pratique. Et puis pour éviter aussi de perdre soi-même du temps quand on crée le modèle, qu'on édite des pièces régulièrement, on va faire ça. Le maillage, il y aura une erreur si vous essayez de changer ce maillage de cette pièce-là, qui va vous faire gagner du temps en vous focalisant que sur les pièces qui changent d'une analyse à l'autre. Au niveau de la dynamique des structures linéaires, quelque chose qui est assez pratique dans notre boîte à outils, c'est ici ce qu'on appelle bottom-up substructuring, qui permet de faire des modèles réduits pour des pièces ciblées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Mais la nouveauté, c'est que vous pouvez les exporter. Donc vous pouvez exporter ce bout-là, hein, si vous allez l'utiliser dans plusieurs assemblages, vous créez une fois pour toutes une base modale de cette pièce. Vous allez exporter, la stocker dans une librairie qui vous est propre et la réimporter potentiellement dans un autre projet, dans un autre modèle. Donc, ça, c'est quelque chose qui permet d'être vraiment très efficace, non seulement au niveau de gestion des données, mais aussi au niveau du temps de calcul, sachant que bon, une pièce qui a été réduite ici va simuler de manière beaucoup plus rapide. Donc, vous voyez ici des liens, un modèle simple, hein, de démonstration. Vous avez la pièce qui a été condensée sur une base modale. Vous allez la charger dans un autre modèle. Vous avez ici ce lien qui est représenté. Donc bon, ici, on montre que c'est les mêmes résultats, que ce soit avec la pièce initiale ou avec la pièce condensée. Toujours en dynamique. On a aussi au niveau des analyses piézoélectriques, quelque chose qu'on faisait soit avec une ACT, soit avec des scripts APDL. Ici, les nouveaux systèmes d'analyse coupled field, harmonique et modal, donc qui sont venus se rajouter à static et transient, où vous retrouvez maintenant des propriétés matériaux piézoélectriques. Ça vous permet d'ajouter en fait le degré de liberté voltage pour ou charge pour les analyses électriques couplées avec la structure. Donc un actuateur piézoélectrique, par exemple, sur des microvannes, sur des électrovannes, sur toutes sortes de choses, des analyses vibratoires, cette possibilité qui facilite la vie. Ce qui est sympa aussi, c'est que dans Engineering Data, vous trouvez en fait le choix du format des coefficients de la matrice couplée piézoélectrique, sous format APDL ou IEEE. Ceux qui connaissent ce genre d'analyse, vous savez qu'il y a simplement plusieurs façons d'organiser et d'écrire la matrice. Chacun y va de sa définition. Donc là, c'est bien, vous pouvez le spécifier vous-même. Ou toute autre question, on a un cours dédié à ça, donné par CADFEM. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Ça va au-delà, bien sûr, de ce bloc. Pour effectuer ce genre d'analyse typiquement vibro et souvent vibro-acoustique. Donc acoustique, j'ai mentionné le terme. Une fois qu'on a des analyses vibratoires, hein, on peut avoir des mesures, on peut avoir des simulations, ici Maxwell mécanical,
Maxwell plus Anzis Motion pour tout ce qui est train d'engrenage. Vous voyez ici quelque chose d'assez complexe. Finalement, on a une source de bruit du moteur, une source de bruit de la boîte à vitesse avec des engrenages, une source de bruit du ventilateur au bout du moteur et des sources de bruit dues à des chocs, des analyses fortement non linéaires, représentées ici par quelque chose qui n'est pas très industriel, mais c'est plutôt le chef qui va utiliser ce genre de géométrie-là. Bref, l'idée, c'est de montrer qu'on peut coupler toutes ces sources simulées en même temps que des mesures, les comparer. Ça qui est intéressant, c'est de pouvoir voir qu'est-ce qu'on n'a pas expliqué avec toutes ces sources-là. On peut les soustraire, voir ce qui reste de la mesure qu'on n'aurait pas expliqué en simulation, ou voir ce qui aurait changé dans la mesure par rapport aux simulations. On peut s'imaginer que vous avez quelque chose de similaire au début de l'utilisation, de l'exploitation d'un composant et qu'au cours du temps, la mesure va changer par rapport aux simulations, ce qui vous indiquerait une usure, un comportement inhabituel de la pièce. Vous pouvez tout complètement analyser ici dans cet environnement VR Experience Sound, un moyen de coupler en fait toutes ces physiques dans quelque chose incompréhensible d'un acousticien. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va aussi caractériser la partie psychoacoustique du son. Donc, on y va tous de nos. C'est comme le vin. Hein, il y a toutes sortes de façons de parler du champ acoustique, des termes, etc. Est-ce que c'est granuleux? Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est harsh? Est-ce que c'est. Donc, bon, les termes anglais qui me viennent à l'esprit. Mais on peut quantifier cette partie psychoacoustique. Est-ce que c'est soft? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Etc. Vous avez la possibilité de coupler, en fait, ça, enfin, pardon, de quantifier tout ça. Et d'avoir des analyses un peu moins subjectives, plus objectives. Vous pouvez écouter vos simulations. Donc, on peut extraire de Mechanical Harmonic un fichier WAVE, quelque chose qu'on peut faire jouer par un lecteur audio. Et vous pouvez les combiner ensemble avec ici ce Sound Composer qui permet de jouer ici sur comme une table de mix avec un peu plus de moteur, un peu moins de ventilateur, etc. Vous pouvez voir et écouter ce que vous aurez simulé. Donc, LS-DINA, toujours pour la partie dynamique mais non linéaire cette fois. Dans l'interface Workbench, donc, sachant que LS-DINA a été aussi racheté par Anvis, vous avez maintenant la possibilité de choisir quelle version du solver LS-DINA vous utilisez dans Workbench LS-DINA, donc 11.1, 12.0, etc. Et surtout aussi, on voit ce trace mapping. Donc là, on voit ce dont on a parlé tout à l'heure, mais plus en détail avec un PCB, avec plus de composants visibles, qu'on pourra aussi utiliser pour des analyses non linéaires, de crash test, etc., du PCB avec Workbench et LS-DINA. Donc, vous voyez ce mapping, finalement, les mêmes technologies se réunissent. S'entrecoupent et sont interliés avec l'intégration de tous ces outils. Donc aussi une chose sympathique qu'on connaît de mécanical, de pouvoir voir le résultat tout au long du calcul, donc un affichage en temps réel pendant que le calcul tourne. Vous voyez ici, hein, si vous ne le connaissiez pas déjà, ça marche dans Mechanical aussi. Clic droit, rajouter un monitor plot, un solution monitoring, pour voir les déformations, les contraintes, les afficher, les rappeler pendant que le calcul tourne, voir dans quelle direction ça va, est-ce que ça tourne toujours bien, est-ce que ça fait toujours ce que vous pensiez que ça fasse, etc. Là, on voit ici ce solution monitoring, les forces, les pressions, les nœuds en contact, qui permettent de comprendre, d'analyser ce qui se passe pendant le calcul. Toujours avec Workbench LS-DINA, vous pouvez rajouter des snippets. Ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez rajouter des paramètres, toujours comme dans Mechanical. Alors, ça se rejoint petit à petit. On va travailler exactement de la même manière entre Mechanical et LS-DINA. Vous avez ici ces arguments 1, 2, 3, 4. Vous pouvez ajouter ici avec un petit at dans le script LS-DINA. Juste dans Mechanical, vous écrivez simplement arc 3 et ça va prendre la valeur que vous auriez entrée ici, qui peut être sélectionnée comme paramètre dans un snippet APDL. Là, c'est la même logique. Hein. Si je zoome un peu, at arc 3, at arc 5, etc., permet de faire des analyses paramétriques.
Au niveau des analyses Smooth Particle Hydrodynamics, SPH, donc vous pouvez maintenant, donc la nouveauté, bon, on voit ici, c'est des oiseaux, hein, des chocs entre un oiseau et une aile d'avion, un oiseau simplifié, hein, ça se fait vraiment aussi avec des canons qui lancent ces objets-là sur l'aile. Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver. Donc, ce serait du Birds, Births and Deaths, si on veut bien là-dessus. C'est simplement aussi la même logique que dans Mechanical, d'activer ou désactiver des éléments en fonction de l'analyse qu'on va générer. Donc, on peut rendre ces oiseaux alive ou death pour ce genre de choc. Et toujours avec Smooth Particle Hydrodynamics, on peut mélanger ici des éléments SPH avec des éléments standards. Donc ça, ça peut être pratique pour étudier qu'une zone d'impact en SPH et le reste avec d'autres éléments. Donc c'est une chose sympathique qui permet d'aller plus loin. Au niveau toujours dynamique multicore, avec l'intégration de Ansys Motion dans Mechanical. Vous voyez ici un rebond d'une bille sur un escalier ou armoire. Aussi de nouveau un petit exemple de démo, mais qui montre qu'on travaille de la même manière avec Ansys Motion qu'avec Mechanical ou Workbench Celestina. Ça permet de générer des contacts autrement plus complexes qu'en simulation implicite. Vous avez ici ces Planetary Gear. Vous avez ici tout un toolkit. Ansys Motion fonctionne beaucoup par toolkit. Donc l'intégration aussi de ce Drive Train Toolkit dans l'interface mécanique. Un autre exemple, c'est le Lynx Toolkit de Ansys Motion. Vous voyez ici des chenilles, donc c'est des choses de nouveau qui étaient impensables en implicite, enfin avec Mechanical simplement. Et on a l'interaction du sol qui a été rajoutée là de manière simplifiée pour traiter ce genre de choses. Choisir hein, si le sol est dur, mou, etc. Il y a des valeurs par défaut. Ça permet d'aller très très vite dans la définition de ce genre d'analyse. Très pratique. Ça rend simplement des choses accessibles qu'on n'aurait pas imaginé ou même rêvé pouvoir faire avant cette addition-là. Avec additive, tout, parlons d'addition, additive manufacturing, vous connaissez sûrement déjà cette suite de solutions, donc elle n'est pas nouvelle, simplement dans additive prep, dans Space Claim, ici vous voyez hein, ces diagrammes de positionnement optimal de la pièce en fonction de trois paramètres hein, qui sont la puissance, le temps de d'impression et ouais, enfin, j'ai oublié le troisième, c'est pas grave. Donc vous pouvez optimiser ça, c'est un peu le triangle des Bermudes de l'impression additive. Vous pouvez choisir finalement quel sera le positionnement optimal de la pièce. Simplement, la nouveauté, c'est que vous pouvez créer les build files pour des machines EOS et ReniShow. Ça, c'est la nouveauté. Avec Additive Print, on a toujours, en fait, bon, de nouveau aussi ces mêmes machines. En Additive Science, là, c'est vraiment la partie microscopique. On a une release complète de la partie microstructure 2D. Dans Workbench Additive, on a un assistant de calibration en fait, qui a été ajouté pour simplifier encore la vie. Donc, vous voyez ici hein, la gestion de la pièce avec les supports qui ont été créés dans Space Claim pour l'impression correcte et l'optimum en fait entre le travail nécessaire pour enlever ces supports, le temps d'impression et la puissance du laser, etc. Au niveau fiabilité pour les composants électroniques, là on a l'intégration de Ansys Sherlock. Vous voyez ici en pré, en post-processing pour des réponses harmoniques. Donc c'est pour traiter en fait de nouveau ces PCB, l'électronique. Hein, c'est un sujet, vous aurez compris, assez porteur actuellement pour garantir la robustesse de ces soudures, des points de soudure. Donc on parle de fatigue de ces points de soudure avec
librairie de caractérisation de matière. Donc, c'est quelque chose d'assez spécifique à ces jonctions soudées qui permettent d'avoir une chance de traiter ça de façon complète et rigoureuse. Donc pour l'écosystème des analyses structurelles, je remontre ici un peu cette implémentation dans la suite d'outils ANVIS. Vous trouvez ici les parties structurelles sur lesquelles on s'est concentré. N'oubliez pas qu'il existe aussi tout le monde fluidique, le monde ray tracing, représentation photoréaliste, phare, etc. Tout ça, c'est de la simulation, ce n'est pas des photos. Intégration de panneaux lumineux sur un appareil smart, etc. Électronique basse puissance, haute puissance, logiciel embarqué, métamodèle, analyse paramétrique, extraction d'analyse au niveau système pour créer des runtime qui seront utilisables pour des jumeaux numériques à utiliser, à valoriser finalement en parallèle à votre produit. Au fonctionnement finalement du produit final intégré et utilisé dans une flotte typiquement de véhicules, dans une flotte d'autres appareils. Donc c'est vraiment cette notion de jumeau numérique, donc le jumeau numérique qui est à gauche et le jumeau réel qui est à droite. Donc toute la suite d'outils va dans cette direction-là, de garantir la valorisation de toute l'information physique collectée en amont, tout au long de la durée de vie d'un produit. Et puis, quand même, je tiens à mentionner ici pour la partie structure, l'introduction, si vous voulez démarrer des analyses, que ce soit fluidiques ou structurelles, vous avez l'option Discovery qui permet, dans l'univers Space Claim, de créer des analyses, donc créer la géométrie, retraiter la géométrie, des modifications paramétrisables. Des explorations de physique, c'est-à-dire ici du calcul en temps réel. Je travaille la géométrie et je regarde comment l'écoulement s'adapte autour de cette pièce. La même chose pour la structure et la vérification en FEM avec le solver mechanical ou le solver Fluence en volume fini. Le tout dans la même interface. Il y a juste la couleur là en bas qui change de ces petits onglets. Donc ça, c'est la nouvelle révolution aussi pour le drafting, finalement, le design rapide de nouvelles pièces, passer par ce flow et ensuite transférer dans Mechanical ou dans Fluent avec le bouton de droite, c'est automatique, c'est instantané. Ça permet de continuer si nécessaire dans Mechanical ou ailleurs. Donc là, il y a pas mal de nouveautés sur ce produit aussi, Discovery. Les fonctionnalités Space Claim qui sont gentiment toutes intégrées ici. Au niveau Explore, vous voyez aussi la création déjà de rapports automatiques, les études paramétriques, etc., les études topologiques, bon, ça existait déjà. Pas mal de choses qui sont maintenant aussi disponibles. Et dans Refine Analyze, vous pouvez faire des analyses fluides solides thermiques, donc en utilisant le solver Fluence. Ce qu'on voit là, c'est de la structure de mécanical, mais dans le cas fluidique, Conjugated Transfer est maintenant disponible ici. Vous n'aurez même plus besoin d'ouvrir un Fluent pour faire ce genre d'analyse. Et bien sûr, ensuite, on passe dans Mechanical ou ailleurs. Donc, c'était le workflow du démarrage à l'étude avancée. Et au niveau paramétrique, on a vraiment cette intégration. Donc, on connaît bien de Workbench avec OptiSlang qui permet de gérer des flux d'analyse, que ce soit des fichiers externes, du Workbench, du Electronic Desktop, du MATLAB, d'autres outils externes à ANSYS. C'est vraiment vu comme un intégrateur de workflow de simulation, couplé avec ANSYS Minerva, qui est le gestionnaire des données de simulation, SPDM, Simulation Process and Data Management, qui permet vraiment d'avoir un tout compatible et surtout compatible avec d'autres PLM. Le but, ce n'est pas de remplacer un PLM existant, c'est d'aller se greffer en fait sur de l'existant pour assurer en fait cette valorisation de compétences simulation dans le tissu dans vraiment le tissu industriel ou l'interne en fait de votre entreprise. C'est quelque chose qui est très global. Ça montre aussi la direction que ANSYS prend pour être vraiment le player
principale pour tout ce genre d'analyse. Et comme je disais au début, je n'ai pas pu tout couvrir. Évidemment, il y a beaucoup de nouveautés que je n'ai pas forcément mentionnées. Donc, vous trouvez des informations principalement à trois endroits. Il y a notre site web. Si vous tapez Release, avant de cliquer Search, vous aurez une série de propositions. Actuellement, en principe, on a encore ce bouton qui permet de retrouver en fait les highlights listés par CAD-FEM. Les release notes dans l'aide d'Anzis. Évidemment, là, bon, c'est assez court, assez succinct. Et puis, le Customer Portal, support.anzis.com, dans lequel vous trouvez tous les PDF des mises à jour structurelles, fluidiques, électromagnétiques, etc. Si maintenant, je vais regarder dans l'aide, ce que je voulais vous montrer ici, c'était autre source d'informations pour des analyses, des tutoriels, hein, ça c'est l'aide en ligne, avec ici ces showcase, des exemples showcase qui sont assez intéressants. Vous voyez ici toute une liste. On les connaissait bien de la PDL, mais ils sont migrés ici petit à petit dans des modèles mécanicales. Vous voyez ici bon, bah, le 1, le 4. Entre 2, 2 et 3 n'existent encore qu'en APDL, n'ont pas encore été migrés. Mais petit à petit, cette liste se complète avec des modèles tout faits, avec des réglages sous forme de modèles de démonstration pour sauter dans un nouveau type d'analyse, voir ce qui se passe. Donc, vous voyez ici toute la description du modèle. Les fichiers existent et sont mis à disposition, avec finalement comme un rapport de tout ce qui a été fait dans ce modèle. Voilà, donc ça c'est pour aller plus loin, et puis pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre pour les prochains événements. Alors, on a trois webinaires, hein, ces trois prochaines dates, sur le ferroviaire, pas mal de choses en ferroviaire, c'est ce qui nous occupe pour la structure, donc c'est des dates proches, que ce soit de la vibroacoustique en ferroviaire, des matériaux pour le plancher des trains, vibrations causées par les trains avec le module LS-DYNA explicite, et puis les prochaines formations, enfin, la mécanique structurelle avec un Anzis Mechanical, Space Claim Scripting, donc pour aller plus loin dans la création de géométrie avec Space Claim, paramétrisation de géométrie, quelque chose qui est assez puissant. C'est le même principe que ce que j'ai montré dans Mechanical, mais dans Space Claim, avec des astuces, etc. Space Claim, bon, l'intro à Space Claim. Alors ça, c'est peut-être moins intéressant pour vous, les fluides avec Fluent. Voilà. Merci pour votre attention. Je vais regarder s'il y a des questions. Cherche des questions. Ouais, j'ai une question sur les licences avec ce indice Common Licensing. Donc, si les anciennes licences fonctionnent toujours de la même manière. C'est une question assez importante. Simplement, si vous avez un ancien fichier licence qui a été mis à jour au cours de l'année 2020, c'est quelque chose qui va fonctionner sans problème avec le nouveau serveur de licence. Bien sûr, il faut installer aussi le nouveau serveur de licence 2021 R1. Là, il n'y a pas de souci. Assurez-vous que vous avez bien lu le dernier fichier licence fourni par nous en 2020. Est-ce que le module piezo fonctionne aussi en transitoire? Donc, en fait, c'était sur la partie coupled fields modal et harmonique pour les analyses piezo. Donc ça, oui, ça va fonctionner aussi en transitoire, il n'y a pas de souci avec ça. Peut-être une chose à ce niveau-là, si vous voulez faire de la piezo acoustique, vous aurez encore besoin de script de notre part pour ajouter la partie acoustique dans une analyse piezoélectrique. Pour ça, on a aussi un cours à disposition. Donc, on a un cours piezo, un cours acoustique qui vous permettent de maîtriser en fait tout ça dans le détail. Est-ce que on doit utiliser DCS
ou des analyses paramétriques, enfin, des études paramétriques. Alors là aussi, c'était un outil qui est à disposition, mais qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez continuer à faire des analyses paramétriques en local, dans Workbench, en batch sur votre PC avec RSM, sans utiliser ce Distribute Compute Solver, qui est, voilà, qui est juste une option, mais pas une obligation. Est-ce qu'il y a, ouais, une estimation de l'augmentation du temps de calcul lors de l'utilisation des solutions solution monitoring? Alors, je n'aurais pas de valeur précise à donner. La seule chose qu'il faut savoir, bon, c'est clair que ça va charger en fait un résultat pour chaque affichage, donc ça va prendre quelques secondes, voire pour un très très gros modèle, ça peut aller jusqu'à, ouais, enfin, je pense à approcher la minute, mais ce n'est pas aussi énorme. Ce que je recommande là, c'est ce solution monitoring. Vous avez la possibilité de ne pas le laisser tourner en continu. Vous pouvez afficher un résultat, le laisser tourner, mais si ça vous intéresse, recharger un nouveau résultat avec le clic droit sur le Solution Monitoring. Vous n'êtes pas obligé de le laisser se mettre à jour sans arrêt. Donc, si vous le faites vraiment à la demande, vous perdez pratiquement pas de temps avec cet ajout-là. Voilà, donc des remerciements. Là, je vous remercie beaucoup pour vos remerciements. Il y a pas mal de choses. Disons que voilà, bon, j'ai pas mal de choses, mais comme on est arrivé au terme ponctuellement presque, on va garder ça avec la précision suisse. Je dirais que si vous avez une question que j'ai pas traitée en fait dans la liste, que j'ai omis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous l'envoyer offline ou nous appeler. On en discute. Toute question sera bienvenue sur ce canal-là. Voilà. Donc merci beaucoup à vous pour votre temps et pour votre disponibilité et à la prochaine.